Alors maintenant, je vais vous proposer d'aborder la question de l'argent de manière plus détaillée. Alors, on reparlera de ces décisions d'engager le projet tout à l'heure. En fait, ça, c'est une phase qu'on appelle le go, no go. On y va, on n'y va pas. Dans un projet, il y a beaucoup de phases de go, no go. En gros, quand vous faites un projet spatial, à un moment, vous appuyez sur le bouton pour lancer la fusée. Ça s'appelle le go. Et vous doutez qu'on ne vient pas en arrière. Et bien, dans un projet, c'est pareil. À un moment, vous avez la direction générale qui va dire bah, on a besoin d'un véhicule, par exemple, de type Twingo, et on lance le projet. Et à partir du moment où on lance le projet, bah, on va recruter des gens, on va les affecter, on va faire venir des prestataires, et on a franchi une phase qui est une phase de go, qui est une phase irréversible. Donc là, vous avez la décision d'engager le projet. Au début, vous avez ce qu'on appelle la phase de développement, où vous allez investir. Pourquoi ? Bah, parce que vous allez payer des ingénieurs pour mettre au point le produit. Vous allez avoir un bureau des méthodes qui va définir l'usine qu'il faut fabriquer. Et puis enfin, vous allez construire l'usine, ce qu'on appelle l'industrialisation. Et puis, vous allez sortir les premiers prototypes. Toute cette phase-là, c'est une phase à cash flow négatif. C'est ce qu'on appelle la phase d'investissement. Donc, dans cette phase-là, bah, vous allez mettre de l'argent sur la table et puis vous n'avez pas à avoir de retour. La phase suivante est la phase de la production en série. Là, dans cette phase-là, vous êtes dans une phase à cash flow positif. C'est-à-dire que vous allez vendre des véhicules en même temps que vous en fabriquez. Et puis finalement, ce que l'on oublie souvent, c'est qu'à la fin, dans la vie de votre véhicule, vous avez une phase qui s'appelle la phase d'après-vente, la phase d'utilisation. Cette phase-là, on l'oublie souvent dans le calcul des coûts, mais c'est très important, c'est que vous avez ce que l'on appelle les coûts d'utilisation. Dans votre véhicule, vous allez mettre de l'essence. Selon la conception de ce véhicule, il va consommer plus ou moins. Vous allez devoir réviser votre véhicule. Et donc ça, voyez, on est dans une phase où on est plus dans des préoccupations écologiques, par exemple. Alors, je vais revenir là-dessus en détail dans la présentation suivante. Donc, voyez, ici, vous avez une phase d'investissement. Là, vous avez des phases où vous avez des coûts qui sont ce que l'on appelle les coûts variables, c'est-à-dire plus vous avez de véhicules, plus ça coûte cher. Ici, vous concevez une usine. Et dans cette usine, vous pouvez fabriquer 100 véhicules, vous pouvez en fabriquer 1000. C'est des coûts fixes. Là, selon le nombre de véhicules qui roulent, bah vous allez consommer plus ou moins d'essence. C'est ce que l'on appelle les coûts variables. Alors, voilà un schéma maintenant qui explique un peu la notion de coût global. Ici, vous avez les coûts industriels. Donc, vous voyez, c'est les coûts de développement et les coûts d'industrialisation. Le coût de développement, c'est les coûts de conception. Les coûts d'industrialisation, c'est les coûts pour mettre en place l'usine. Ensuite, vous avez des coûts qui sont payés, non pas par l'industriel, mais par la personne qui possède le produit, l'utilisateur. Donc, voyez ici, vous avez les coûts d'utilisation et de maintenance. Et puis, de manière très intéressante, vous avez ici ce qu'on appelle les coûts d'extinction. C'est-à-dire que, par exemple, votre voiture, quand vous la mettez à la casse, eh bien, vous avez des produits toxiques dedans. Vous avez la batterie. Si vous l'achetez dans une rivière, bah, vous allez faire crever les poissons sur des kilomètres et des kilomètres. Donc, voyez, il y a des coûts qui sont infligés à différentes personnes. Au début, c'est l'industriel qui va développer, industrialiser, produire. Ensuite, c'est le client. Et après, bah, c'est l'environnement. D'une certaine manière, c'est les générations futures qui paient ces coûts. Quand vous prenez une pile et puis qu'une pile au mercure, vous la balancez dans la nature, ça ne vous coûte rien. Vous infligez un coût aux générations futures. Donc, voyez ici différents types de coûts. Et vous voyez non seulement que ces coûts sont infligés à des acteurs différents, mais vous avez des coûts fixes. Typiquement, les coûts industriels, les coûts de développement et d'industrialisation sont des coûts fixes. Les coûts de production sont des coûts variables. Quand vous produisez 3 voitures, ça vous coûte 3 fois plus que de produire 1 voiture. Les coûts d'utilisation sont des coûts variables et des coûts d'extinction aussi. Donc, vous voyez, il faut bien comprendre ce mécanisme de fonctionnement des coûts. Et ce que vous voyez ici, c'est le coût global. D'accord ? Donc, ce que ça veut dire, c'est quand vous concevez un produit, vous pouvez décider de passer plus de temps à la conception pour concevoir un produit qui ensuite coûtera moins cher à la maintenance. D'accord ? Et donc, ça, c'est très important de comprendre la manière dont ces coûts s'articulent. Donc, coût de développement, coût d'industrialisation, qui sont des coûts fixes. Coût de production, d'utilisation et d'extinction, qui sont des coûts variables. D'accord ?
Donc je viens de vous donner une petite introduction au contrôle de gestion et à la philosophie qu'il y a derrière tout ça. Alors dans le chapitre suivant, je vais vous présenter quelques cas concrets. Je vais vous parler de la différence entre maître d'œuvre et maître d'ouvrage, et je vais vous montrer les divers intervenants qu'on a dans un certain nombre de types de projets.